Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'Évangile, Jésus nous dira que l'ivraie sera jetée au feu, la mauvaise herbe sera jetée au feu. Demandons au Seigneur d'arracher le mal qui est en nous, de le mettre au feu. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous confiant à la miséricorde infinie du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a fait de saint Pierre Chrysologue un grand prédicateur de ton Verbe incarné, par son intercession, accorde-nous ta grâce. Ouvre nos cœurs à l'intelligence des mystères du salut et donne-nous d'en témoigner par toute notre vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. À chaque étape, pendant la marche du peuple vers la terre promise, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait « tente de la rencontre » et tout homme qui voulait consulter le Seigneur devait sortir du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il fût entré. Au moment où Moïse entrait, la colonne de nuée descendait, se posait à l'entrée de la tente et Dieu s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui restait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur s'entretenait avec Moïse face à face, comme on s'entretient d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Noun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Un jour, Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Dieu répondit, « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je prononcerai devant toi mon nom qui est Yahvé le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Il dit encore, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car on ne peut pas me voir sans mourir. » Le Seigneur ajouta, « Voici une place près de moi.
tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. Moïse tailla de nouveau deux tables de pierre. Il se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama « Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit, « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les clauses de l'Alliance, les 10 commandements. Ô Seigneur, je crie à toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie à toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Le Seigneur de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au feu. Ô Le Seigneur est en tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Ô Seigneur, je crie à toi, non. Il
n'agis pas envers nous selon nos fautes, ne nous rends pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Ô aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole de Dieu est semée en nos cœurs, heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit : Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Après avoir écouté leur maître enseigner les foules au bord de la mer, nous entendons les disciples demander à Jésus des explications. Une fois rentrés au calme, à la maison, les disciples ont encore le cœur brûlant. Ils ont soif de comprendre et ils demandent à Jésus de leur expliquer cette parabole du bon grain et de l'ivraie que nous avons entendue dans l'Évangile samedi dernier. Devant cette attitude des disciples, je ne peux m'empêcher de penser à cette foule des JMJ qui, depuis hier, est en train aussi de rentrer tranquillement un petit peu partout dans le monde. Cette foule de 2 à 3 millions de jeunes rassemblés aussi au bord de la mer
sur la plage de Copacabana à Rio pour écouter ce que le pape François voulait leur dire, ce que le pape François voulait nous dire à chacun de nous ici présents à travers médias interposés. Qu'est-ce que le pape François a voulu nous dire ? Dès le départ, il a été très clair. Je n'ai ni or ni argent, mais je vous apporte ce que j'ai de plus précieux, Jésus-Christ. Je viens en son nom pour alimenter la flamme d'amour fraternel qui brûle dans chaque cœur. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et à la manière de Jésus, le pape François s'est adressé à la foule de manière simple et directe, prenant des exemples concrets, des images pour rejoindre chacun, mettant en pratique lui-même ce qu'il recommande pour l'Église. Il disait « L'Église doit réapprendre la grammaire de la simplicité. L'Église doit chercher à réchauffer les cœurs. » Cette grammaire de la simplicité n'enlève rien à l'exigence du message. Mais en réchauffant les cœurs, elle donne le goût pour aller approfondir, pour mettre en pratique cet appel exigeant du Christ à le suivre et à être missionnaire. Mais revenons à l'Évangile et à cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Jésus insiste pour que l'on n'arrache pas l'ivraie de peur que l'on arrache en même temps la bonne plante. Tous les agriculteurs qui commencent en ce moment la moisson un peu partout en France comprendront sans doute mieux que moi cela. L'explication de Jésus a une tournure apocalyptique, tournée vers la fin des temps, et cela peut nous faire peur. Mais en réalité, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle qui doit nous porter à la joie. Cette bonne nouvelle, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus de place pour le mal. Cette séparation du bien et du mal, du juste et du méchant, trouve beaucoup d'écho dans la Bible, dans les psaumes, particulièrement dans cette demande, cette dernière demande du Notre Père, « Délivre-nous du mal ». Et plutôt que de voir à travers le bon grain ou l'ivraie des personnes en se disant « Je suis le bon grain et ceux qui m'agacent sont l'ivraie » ou inversement « Je suis nul, je suis l'ivraie, bonne à être brûlée alors que les gens autour de moi sont le bon grain parce qu'ils réussissent mieux leur vie que moi. » Jésus nous invite aussi à prendre conscience que ce bon grain et cette ivraie sont présentes à l'intérieur de chacun d'entre nous. La bonne nouvelle, c'est que sans cesse, tout en respectant notre liberté, Dieu veut retirer le mal qui est en nous. Il ne veut pas que la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, les agacements aient le dernier mot dans notre cœur. La bonne nouvelle, c'est que ce royaume de Dieu, où le mal sera complètement détruit, est déjà commencé aujourd'hui. Et pour que Dieu puisse agir ainsi en nous, pour fuir les pièges que le démon nous tend inlassablement, il nous suffit de nous placer devant la miséricorde de Dieu. Il nous faut être devant lui des pécheurs décomplexés, pleins de confiance dans la patience de Dieu, qui nous accueille tels que nous sommes, alors même que nous avons peut-être l'impression de retomber toujours dans les mêmes travers. En nous tournant vers lui avec confiance, il nous communique sa chaleur, sa joie. Alors, petitement, simplement, là où nous sommes, nous pouvons commencer à le rayonner. Et par ce rayonnement, nous pouvons faire autour de nous de nouveaux disciples du Christ. Alors, en cette Eucharistie, demandons au Seigneur avec force de nous délivrer du mal pour que nous soyons plus transparents à l'amour qu'il veut faire rayonner à travers chacun d'entre nous. Pour tous les jeunes qui rentrent des JMJ,
Pour chacun de nous, quelle que soit notre vocation, demandons au Seigneur de faire grandir en nous le désir d'être missionnaire. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Seigneur. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Pierre Chrysologue, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages
Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre Chrysologue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Marie, François-Paul, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Prions encore le Seigneur. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits, en ce jour où nous fêtons Saint-Pierre Chrysologue, qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle, et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci au Père Nicolas de Franqueville d'avoir bien voulu présider cette Eucharistie, prêtre du diocèse de Rouen pour les missions étrangères de Paris. Tu nous fais la joie de ta présence pour présider alors qu'il y a tout juste un mois, tu étais ordonné dans la cathédrale de Rouen. C'est une joie pour nous de t'accueillir pour cette première messe à Saint-Gervais. Nous espérons qu'il y en aura d'autres, même si la Chine t'attend dans un an à peu près, je crois. Nous t'accompagnons de notre prière pour ton ministère. Frères et sœurs, c'est donc à partir de cet après-midi qu'il n'y aura plus de liturgie ici même durant le mois d'août, puisque nos fraternités auront leur temps d'estive, de ressourcement, de cœur à cœur avec le Seigneur. L'Église restera ouverte pour la prière dans les semaines qui suivent. Nous serons heureux de vous retrouver à la rentrée à partir du dimanche 1er septembre et dès le samedi 31 pour l'office du milieu du jour et la messe du soir. Nous restons unis dans la prière. Père Nicolas, nous vous demandons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons Je nous sens.